Viens, ma fifi, viens. Vicky, viens. Viens là, viens. Viens, ma fifi. Oui. C'est Vicky qui a été abandonnée donc, pour ses problèmes de peau, car elle a un traitement qui engendre des frais à hauteur d'environ 200 euros par mois. Et donc, les propriétaires ne pouvaient plus s'en occuper, donc l'ont abandonnée à la SPA. Depuis l'approche de l'été, donc environ mai-juin, on a environ 20 appels, voire 30 appels certains jours pour des abandons de chiens ou de chats. On est obligé de refuser parce qu'on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas construire un nouveau refuge sur celui qu'on a déjà. Pour 10 abandons, on doit faire 2 adoptions. Malheureusement, c'est pas les quelques adoptions que nous faisons par semaine qui vont arriver à vider le refuge. L'été, on a quand même une majorité de chiens qui sont abandonnés, retrouvés sur les routes, des animaux qui ont été déposés chez un vétérinaire et qui ne sont jamais revenus les récupérer. Nous, au moins une à deux fois par semaine, on a un chien ou des chats qui sont déposés dans une caisse en bas du refuge. Parce que c'est les animaux qui sont compliqués à prendre en vacances quand c'est loin, quand il y a les hôtels. Mais il y a des solutions pour ça, il y a des pensions canines. Pour les chats, il y a des hôtels pour chats. Il y a des sociétés privées qui font du gardiennage à domicile. Il y a tout un tas de solutions pour éviter d'abandonner son animal. Un animal, c'est un engagement et on ne peut pas prendre un animal pendant le confinement pour faire plaisir à Noël et un an, six mois après, se rendre compte que c'est un engagement et qu'il faut s'en occuper. C'est comme quand on fait un enfant, on se demande avant si on va pouvoir s'en occuper. C'est exactement la même chose, c'est des êtres vivants. Non ? Allez. Oui. Ça veut le collier ? Arami, c'est notre chien le plus ancien qu'on a sur le refuge. Ça fait maintenant plus de 1800 jours qu'il est là. Il a connu que du refuge. C'est-à-dire qu'il a été en boxe toute sa vie. Vous voyez comme il tourne en rond. Il en a marre d'être ici, quoi. C'est plus possible. C'est comme nous, hein, les chiens, ils font des dépressions à force. C'est un cas extrême, hein. On a une moyenne environ de 1 an, 2 ans pour ceux qui restent longtemps. Après, vous savez, même passer 4 mois en refuge, c'est énorme pour eux. Ça peut être traumatisant pour certains. Quand certains ont connu une vie avant avec un jardin, avec une maison, avec des gens qui s'en occupaient, se retrouver enfermés dans des boxes de même pas 10 mètres carrés, les chiens, ils deviennent fous. Heureusement, on a des bénévoles et des salariés qui toute la journée s'en occupent, qui les sortent dans les parcs que nous avons derrière. On demande donc aux familles, aux gens qui voudraient adopter des animaux, de plutôt se tourner vers les refuges qui débordent, surtout l'été. On peut vous présenter mais le chien qui vous conviendra. Tu te laisses caresser aujourd'hui ?